sunrise in this position. We sipped black tea in sweet autumn light. Pictures of you that I took on those mornings, looking through love written eyes. Brown ones were peeking at me through the steam from the mug that you held to your lips. Much like the smoke on my mind. Et une fois que les portables sont éteints, évitez de trop parler entre vous parce que moi ça me déconnecte. Et puis voilà. Sinon, ça va bien se passer. Merci d'être là, vraiment. Je suis très, très comblé ce soir, vraiment. Et vous allez voir comment je canalise les défunts. J'ai une manière un peu particulière, vous allez voir. Allez, on est parti. Ok. Alors, la première personne qui est venue, qui aurait pu connaître, en fait, moi, j'appelle ça un papy, mais il devait avoir entre 55 et 60 ans, qui aurait pu être pêcheur sur le port de Nice. Pourquoi ? C'était, comment il s'appelait ? Maurice. Maurice. C'est pour ces jeux, non, j'ai pas... Alors, on va continuer parce que de toute façon, tu es la seule qui lève le doigt. Ça me va. Est-ce que cette personne, en fait, moi, la première chose qu'elle m'a montré, c'est qu'elle était, donc, qu'elle pêchait, mais aussi qu'elle adorait, en fait, manger, alors, c'était toute la contradiction, des sardines, du hareng en boîte. Ok. Maurice, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, c'est la première fois que je passe avec toi, il me dit. Je suis très comblé d'être là. C'est quelqu'un qui devait être très farceur parce qu'il me dit, ah, tu vois, tu t'y attendais pas. Hein. Eh ben, je suis là où on m'attend pas, en fait. Merci d'être là. Il me dit, reste comme tu es. J'ai été un peu dur avec toi quand même, je tiens à m'excuser. On a peut-être, comme c'était ton ex-beau-père, il me dit, j'ai pas souvent validé l'amour que tu pouvais avoir avec mon fils. Je tiens à m'en excuser. Tu es devenue une jolie jeune fille, il me dit. Il me dit, garde la foi, va un peu plus à la messe, c'est bête, mais il me dit ça. Il me parle du chiffre 17. Est-ce que ça te parle ? Tu chercheras. Pardon ? Avec son père, quand j'ai connu, il avait 17 ans. Ben voilà. Voilà. Merci. Il faut le dire quand c'est bien, quand même. Merci. En fait, malgré un peu tout ce côté brut qu'il avait, en fait, il t'aimait énormément. Et il avait un gros cœur. C'est pour ça que ce soir, comme il me dit, je me suis mis un costume, je vais t'offrir des fleurs. Je ne sais pas, il aimait le mimosa, parce qu'il me parle de mimosa, alors c'est pas parce qu'on est à Nice et qu'il y a le carnaval, mais garde-le. Il devait en mettre, en fait, il me montre comme s'il en mettait un brin, je ne sais pas s'il allait pêcher en bateau ou quelque chose comme ça. C'est comme si je vois un brin de mimosa, où est-ce qu'il allait pêcher tout le temps, soit accroché à la canne à pêche, soit dans son bateau. Il me dit, il avait un chien aussi, d'accord, qui est plus là. Comment il s'appelait ? Laika. Il me dit, je suis avec. Il m'avait donné un autre nom, mais c'est pas grave. Il me dit, je récupère mon chien, je retourne d'où je suis. J'étais le premier, il me dit. Je laisse la place aux autres. C'est marrant parce que quand je me connecte à lui, c'est comme s'il avait du mal à donner ses sentiments. Et j'ai ma voix qui s'éraille et tout ça. Et voilà. C'est marrant parce qu'il me dit, tu l'auras ta maison. Voilà. Tu le prends. Et là, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'odeur de poisson en tête, dans le nez. Il faudrait que tu te renseignes pour les sardines. Oui, on en a fait chez mes parents. Ouais. Mais il devait aimer aussi, il me dit, tu vois, j'étais pêcheur et ce que j'aimais pas, en fait, c'était, j'adorais les sardines à l'huile, des choses comme ça, achetées dans les supermarchés, ça correspondait pas à ça pour moi. Et c'est tout, il s'en va. Alors là, j'ai un petit animal qui est venu me voir. Qui a eu un hamster quand il était... Voilà.
Alors, il était bicolore. Aussi. Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est marrant parce que... Bon, on va... lui, ça fait 2-3 jours qu'il me... Alors, il se retournait et puis il criait tout le temps. Il y en a eu deux, alors. Le tien, oui. Pinky ou quelque chose. Billy, ben c'est pour toi, alors je suis désolé. Non, non, mais soyons précis. Bon, alors, tout ce que j'ai dit, c'est pour toi, donc. C'était Billy ou Pinky, donc je... Voilà, bon, alors c'est pour toi. C'est très bien, il me dit donc. Voilà. Prends... Alors, il me dit, voilà. Très content de pouvoir passer ce soir. Il m'explique. Il me dit... merci d'avoir été ma maîtresse. Merci de m'avoir bien nourrie. Il me dit, tu me donnes un peu trop de salade. J'aimais pas trop ça, mais bon. Rappelle-toi. C'est ça, hein, on est... C'est, je te le dis, ouais, ça fait vieux. Mais c'est bien, on est... Je suis là quand tu auras besoin de moi. Je sais que c'est compliqué en ce moment, il me fait comprendre, peut-être par rapport à ton travail ou des choses comme ça. Ne perds pas espoir, je suis là, demande-moi, d'accord ? C'est drôle parce qu'il me dit, je suis persuadé que tu as la cage dans la cave ou quelque chose comme ça. Eh bien ouais, je te dis, ne la mets pas au fond, ravance-la, pense à moi de temps en temps. Il me parle du mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, tu chercheras. Merci, je suis ton guide animal. Et il s'en va complètement, complètement foufou. J'ai un monsieur en fait qui aurait pu tomber d'un camion où le camion aurait basculé comme ça. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Pareil, 50, 60 ans. Ah, j'ai pas dit que c'était l'année dernière. Hein. C'était arrivé à un collègue de mon boulot. Alors. Pas à moi, un collègue de mon boulot. Ok. Alors, je vais me faire confiance. Est-ce qu'avec avec le nom Lionel, ça peut parler ? Il avait un fils qui s'appelait Lionel. Bon, il avait entre 55 et 60 ans, c'est oui. Ça ? Ok. C'était qui par rapport à toi ? C'est un ami à mon père. Ok. Bon, alors, tu ne pourras pas tout confirmer parce que c'est pas grave. Il me dit, les premières pensées vont à Lionel, mon fils. Il est devenu un beau jeune homme. Il doit se marier ou quelque chose comme ça, là. Je les ai perdus de vue. Bon, c'est pas grave. Il bénit leur mariage, il bénit, en fait... Si je peux le retrouver, exactement, je le dirai. C'est avec grand plaisir. Il n'y a rien sans rien, de toute façon. Allez. Comment il s'appelait ? Oh, je m'en souviens même plus. C'est vieux, hein ? Ben oui. J'arrive pas là, sur le coup, c'est je suis un grave. Peu étonnée déjà qu'ils viennent. Ben oui, mais... Parce que je l'ai connu dans mon enfance. C'est pour ça, quand je dis, il faut accepter le message et accepter vraiment le... Daniel, il s'appelait. Daniel, allez, parfait. Allez, Daniel. Alors, il me dit, tu vois, c'est un accident de travail, il me dit. Oui. Il me dit... Mais de toute façon, j'aurais très mal supporté de vivre vieux parce que c'était pas dans mes gènes et dans mon chemin de vie. Il me parle. Il me dit, j'étais un peu nerveux, je me suis assagi de l'autre côté. Lionel est devenu un beau jeune garçon. Je sais pas, il doit se marier ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est si, possible. Ben, je te le dis. Il me parle du jour de mardi. Donc, je sais pas. Tu chercheras. Et du chiffre 21, je ne sais pas, tu chercheras. C'est à toi de faire... Oui, je chercherai. Voilà. Et il me dit merci de prendre le message. Merci d'être ce que tu es. Tu comprendras. Merci d'avoir peut-être aidé ma famille quand ils en avaient besoin. Merci. Et Light of des Fleurs, pareil. Il était paysagiste. Ben ouais. Il me parle de mai aussi. Il parle du mois de mai. Oui, ça me parle. Ça beaucoup. Te parle. Bon.
Reste comme tu es sur le bon chemin, j'entends. Je t'aime comme si tu étais ma fille, peut-être plus que ton père. Oui. Il t'envoie un gros cœur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice dans son entourage ou quelque chose comme ça? Bon, c'est pas grave, il me dit je suis avec Maurice. J'ai retrouvé Maurice de l'autre. C'est peut-être son père qui s'appelait comme ça. D'accord. J'ai retrouvé Maurice, il est venu me chercher. C'est tout ce que je vais avoir pour lui. C'est très bien. Merci Aaron. Attends, tu as dû récupérer peut-être des plans à lui de jardin, de choses comme ça. Cherche. Oui. C'est son objet clé. Il me dit quand tu les toucheras, tu penseras à moi. Voilà. C'est du muguet. Ah bon? Oui. Les plans, c'est ça? Oui. Eh ben, c'est pour ça qu'il m'a parlé de mai. Ok. Je te laisse. et je repars comme je suis venu, comme ça. Il devait être un peu un bon vivant, comme ça, tac, tac, tac. Oui, tac, un bon vivant, oui. Il me dit, je criais beaucoup. Quand on m'entendait de l'autre bout du jardin, il me dit. Mais j'étais pas méchant. Non. j'ai un nom avec écrit Toinette ou Antoinette de son côté, ça parle? Bon, je te l'envoie. Peut-être sa mère, je sais pas. En tout cas, et c'est tout. Merci. Merci à lui. Laisse, tu le passeras. Allez. Alors, qui aurait récupéré une machine, une vieille machine, vous savez, à laine, avec un grand, je ne sais pas si vous voyez. Pas une machine à coudre ou une machine à filer, oui. Qui c'est qui aurait pu récupérer ça d'une grand-mère ou qui a connu une grand-mère C'est un rouet. Ah, c'est un rouet. C'est de qui, ça? De la grand-mère à ma grand-mère, je crois. D'accord. Il y a ça à la cave, c'est ma mère qui a récupéré. Elle me dit, ça c'est important, c'est mon héritage. Et elle a que ça, en fait, c'est tout ce qui reste de son passage sur Terre, elle me dit. Essayez au moins de garder ça. D'accord. C'est peut-être moche, je sais, mais, oui, mais d'accord. Tu le laisses à la cave. Mais, non, parce que là-haut, des fois, ils disent il faut faire ça, mais il y a le spirituel de l'autre côté, ce qu'ils veulent, et puis il y a ce qu'on vit sur Terre. Après, on fait au mieux. Hein. Donc, eh bien... Ça, faut le garder. Alors, ça, c'est bizarre que j'ai pas le prénom de cette... Léa. Léa, allez. Joséphine. Non, les deux prénoms. Léa, ça me va. Alors, elle avait du caractère, elle m'a dit. Je sais pas si tu pourras confirmer. Elle me dit, tu vois, à l'époque, tout ce qu'on faisait, c'était manuel. Elle devait ne pas travailler, mais rester à la maison. Cette mamie. Et elle me dit, tu vois, à l'époque, quand on faisait des tricots, quand on faisait de la laine, quand on faisait plein de choses, ça durait des années et des années parce que c'était fait à la main. Alors Léa, elle me fait comprendre que c'est drôle parce que bon, je la vois beaucoup à la maison. Et elle avait deux choses, en fait. Pour Léa, ce qui était important, c'est d'être bien habillée et bien chaussée. Je ne sais pas ce qu'elle avait avec les chaussures. Les chaussures, c'était important. Parce qu'elle boitait. D'accord, ok. Bon, c'est le signe de reconnaissance que j'attendais. Et maintenant, elle va pouvoir me parler correctement. Alors, c'est une mamie qui aimait cuisiner ou pas? Oui. Bon, d'accord, très bien. Elle me montre, ça me va mes moyens, parce que des mamies qui cuisinent, on en a tous une. Et c'est, elle me montre, juste, elle faisait des charlottes ou des choses comme ça. Des charlottes, non. Non. Alors, c'est pour quelqu'un d'autre, parce d'accord. que j'ai la reine des charlottes non. qui arrive après. Commencez à réfléchir, parce que j'ai la... Oui, mais ce qui est très bizarre, c'est que quand je l'ai te voir, tu m'as parlé de Charlotte aussi. Ah. Et de la grand-mère, comme ça, donc il y a un... Tu le prends. Je le prends. Tu le prends. Vraiment, tu le prends. Mm-hmm. Mais
garde-le sur le côté. Enfin, réfléchissez pour une grand-mère qui faisait des charlottes, qui était la reine des charlottes. Ok. Elle montre la couleur bleue ou violette, je ne sais pas pourquoi. Prends-le. En fait, elle s'est imposée, mais elle n'a pas grand-chose à dire, cette mamie. Elle ne devait pas être commode à parler, en fait. Parce que je la sens, j'ai toutes les sensations, mais elle ne veut rien me dire, mais je vais arriver à la faire parler quand même. Le bleu, c'était sa couleur préférée. Oui, ben, c'est bien. Elle, remarque, elle me donne l'essentiel, moi, ça me va. C'est tout ce que je vais avoir, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup avec moi. Elle dit, voilà, je suis là, je pense que tu es venue, tu voulais un message. Bah, t'as eu un petit clin d'œil, on va dire. T'as eu un petit clin d'œil. Et je pense que ça te convient. Elle me dit, si elle me dit, pense quand même un petit peu à moi, allume une bougie. Tu sais que j'aimais bien les bougies. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais la laisser partir. Allez, c'est tout. Je vais couper le lien avec Léa, maintenant. Allez, parfait. je vais faire la charlotte aux fraises. Alors, qui a une mamie qui adorait faire des charlottes et des gâteaux avec beaucoup de fruits? Non? Ça ne parle pas? Si, ouais, ça me parle. C'est ma grand-mère. On ne faisait pas que ça, mais elle faisait des charlottes. Mais, c'était... Elle est venue me voir, elle m'a dit, attention, je suis la reine des charlottes aux fraises. J'adore utiliser des bons fruits. C'est essentiel pour faire des gâteaux. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu dans l'esprit de la mamie de... Oui, des charlottes, des tartes, oui, c'est vrai. Bon, très bien. Comment s'appelait cette... Ma grand-mère? Oui. Elle s'appelait Raymonde. C'est quelqu'un qui faisait de la couture, la mamie? Un peu, ouais. Ok. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle me montre en fait une boîte. Alors, tu sais les boîtes de bonbons où il y a toutes les aiguilles dedans? Oui. Elle avait ça? Oui. Oui. Ça, c'est son signe. Tu l'as récupéré, ça? Je sais pas, ma mère peut-être. Bon, moi, ça c'est le signe, ça, en fait c'est son objet clé. Alors essaye de récupérer, parce que c'est l'objet en fait, pas qu'elle y tenait, mais voilà, quand tu as envie de te connecter à elle, tu touches cette boîte et tu as l'esprit qui est là. Alors même si elle me dit... Moi j'ai gardé une boîte d'elle, oui c'est vrai. Maintenant, voilà, merci. J'ai une boîte à la maison. Je savais pas que c'était là-dedans qu'elle mettait ses fils ou ses aiguilles. Exactement. Ses aiguilles, elle me dit, j'étais pas la meilleure... Ouais. C'est la seule chose que j'ai, d'ailleurs, c'est le seul objet que j'ai d'elle que j'ai. Oui, je me doute. Elle me dit, tu vois, j'étais peut-être pas une super couturière, mais je me démerdais, je me débrouillais, elle me dit. Elle me dit, j'étais la reine des ourlets, merci. Des ourlets. J'étais la reine. Elle me dit, j'étais la reine des tartes, j'étais la reine des charlottes. Elle devait vraiment, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de. Non, mais elles étaient excellentes. Oui. Et elle me dit, j'étais meilleure. Pâtissière de Charlotte que couturière, mais j'étais quand même la reine des ourlets. Rappelle-toi, ça devait être elle qui devait te les faire. Oui, c'est vrai. Je te le dis. La reprise des vêtements, je me sens. Bah oui. elle me dit, de temps en temps, allume une petite bougie, ça me ferait plaisir. Oui, elle me dit, tu vois, je suis ton guide familial. N'aie pas peur de me demander les choses quand tu as besoin. N'aie pas peur de... Ok, deux secondes, doucement. N'aie pas peur de... c'est marrant parce qu'elle me dit, n'aie pas peur de devenir papa. Je te le donne. Doucement. N'aie pas peur, tout court, tu y arriveras, elle me dit. J'ai le chiffre 13 qui vient avec. Je ne sais pas si ça te parle. Bon. Elle est partie, t'avais quel âge? Elle est partie en 2002. Je devais avoir 30 ans. 30 ans, d'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 13. C'est peut-être le jour où elle est partie. Et j'ai le mois du jeudi, je ne sais pas pourquoi. Le jour du jeudi? Oui. Jeudi 13?
peut-être ou voilà, tu regarderas, tu te renseigneras. On peut pas tout confirmer. Le mieux c'est que tu arrives chez toi et que tout ce que je t'ai dit c'est confirmable. Parce que là au moins comme ça c'est pas de la télépathie. Je pourrais confirmer la date de décès, vous pensez ? Je sais pas. Le 13 et le jeudi en fait ça marque. D'accord ? C'est quelque chose qui doit marquer pour ta pour Raymond. Allez, je vais couper le lien. C'est Raymond, hein ? Oui, Raymond. Merci, Raymond. T'as pas besoin de moi. Elle me dit surtout, n'oublie pas, dis à tout le monde que j'étais la reine des... Pas des qui, mais la reine des Charlottes, ça, c'est important. Ah, si, elle me dit. Elle devait avoir de petits oiseaux aussi. Qui avait des petits oiseaux, des canaries ? Oui, elle me dit, j'ai récupéré mes deux cuicuis et... Ah oui, d'accord, ok. Elle me dit, et là, maintenant, il te croit. Voilà. Ah oui, tu es un peu sceptique, c'est normal. Merci. Elle était rigolote, elle était... Bon. Elle me dit, je repars avec mes Charlottes. Et mes cuicuis. Et les cuicuis. Allez, parfait, on va passer à... Ça va, vous n'avez pas trop chaud ? C'est pénible. Même pour vous, ça doit être dur. Je ne suis pas là, en fait. Je ne suis pas là. En fait, ce qui me gêne le plus, c'est le bruit. C'est super, vraiment, c'est super compliqué. Alors, désolé si je suis un peu plus lent. Vraiment, désolé. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui est venu me voir, en fait, qui aurait pu avoir des problèmes à la gorge et qui est parti peut-être d'une longue maladie à la gorge. Vraiment. Est-ce que ça... Alors, non, c'est un monsieur. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, alors, je vais affiner. On va affiner. Avec... En prénom et en lien, un prénom avec Georges, avec la lettre G ou Georges. Georges, qui est parti d'un... Ok, bon. C'est comme ça, c'est le hasard. Je suis... Il me dit, voilà, ne doute pas, je t'ai toujours aimé. Je ne sais pas qui était... qui était pour toi, c'était qui ? C'est mon oncle. C'est ton oncle. Ne doute pas, je t'ai toujours aimé. Je passe très rapidement parce que tu vas avoir beaucoup d'émotions. Tu vas... je ne sais pas s'il avait l'habitude de te faire des bises, mais là, il te fait la bise. Je suis désolé. Non, tu peux. Il te fait la bise vraiment sur les deux joues, comme jamais il t'a fait. Parce que peut-être qu'il n'était pas bise. Et là, il te fait... Voilà. Il me dit, tu verras, je viendrai te voir dans les rêves, dans les songes. Sache une chose, je t'ai toujours aimé. Je veille de là-haut que tu sois bien. On voulait te faire une belle surprise aujourd'hui. Y a un anniversaire ou quelque chose comme ça aujourd'hui ? C'est un jour particulier aujourd'hui pour... C'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Ça va être très court, hein, parce que je t'embrasse, il me dit, je repars. C'est marrant parce qu'il me montre une vieille bicyclette. Je sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Et il s'en va avec sa bicyclette. Il passe. Merci. Il te fait un gros cœur. Il me dit, tu vois, j'ai pas l'habitude de montrer mes sentiments, surtout envers toi. Mais là, aujourd'hui, je le fais devant tout le monde. C'était la moindre des choses. Merci. Et il s'en va. Et c'est tout ce que je veux avoir. C'est gentil. Hein. Oh ben alors, décidément, pour toi aujourd'hui, c'est. Alors, ça tombe vraiment au hasard, je suis désolé pour. Elle rend le micro, hein, quand même. Hein? Donc, elle rend le micro. Ouais, ça c'est bien. Gardez-le, ça. Gardez-le. Ok.
Alors, j'avais une dame aussi qui s'appelle Linda. À qui ça peut parler ? Une dame qui s'appelle Linda qui est partie. Alors, ça, pareil, ça va être très court parce que elle me dit ma vie était une fête. Une certaine Linda que vous auriez pu connaître. Alors, écartez vos champs de vision, parce que c'était une jolie jeune fille qui aimait bien faire la fête. Non ? Linda, personne, on va. Oui. Oui, qui aimait bien faire la fête et qui aimait bien. Elle est. C'était qui pour vous, madame ? D'accord, c'était ça. Alors c'est parfait parce que je savais que c'était pas familial ou quelque chose comme ça. Elle me dit quand elle est venue me voir tout à l'heure, j'étais bien popel up pour mes énergies. Elle me dit il faut que tu parles de moi. On était amis, c'était une copine de travail. On adorait aller au restaurant. On adorait. Elle voulait qu'on se rappelle que c'était quelqu'un qui aimait la vie. Oui. Ah non, la pauvre, vous l'avez fait mourir avant. Linda ou quelque chose comme ça. Linda, oui. De base, elle était brune, mais c'était en blanc. Elle est partie très jeune. C'était une collègue de travail. Pardon ? À l'hôpital à Paris. Je sais pas. Elle m'a montré qu'elle aimait bien la fête, oui. Qu'elle aimait bien aller au restaurant, qu'elle aimait bien la vie et qu'il fallait qu'on se rappelle d'elle. Surtout d'une femme assez joyeuse et pas peut-être la longue maladie qu'elle a eue ou des choses comme ça. Parce que c'est pas... Elle me dit, j'étais une étoile filante. Voilà. Voilà. Elle devait avoir 40 ans maximum. C'est ça. Ok. Ça a été la première qui est venue me voir. Voilà. Bon. Là, elle me fait sentir tous les... Elle ne devait pas aimer être à l'hôpital parce qu'elle m'envoie tout ce qui était produit. Elle a dû peut-être te le dire. Elle me dit, les produits des hôpitaux, j'aime pas. Tu sais, l'alcool et les choses comme ça. Elle me dit, quand je sens ça, je n'aime pas. C'est marrant parce qu'elle me dit, tu vois, j'aimais pas trop lire, mais ce soir, je t'offre un livre. C'est tout ce que je veux avoir pour Linda. Elle est passée comme elle est venue. Voilà. Et surtout, il faut bien qu'on se rappelle d'elle. La vie est magique, elle m'a dit. Je ne sais pas si c'était quelque chose qu'elle te disait. Mais voilà. Alors, je vais prendre un jeune... Alors, je vais prendre un jeune homme. Je leur parle. J'ai une personne désincarnée, en fait, qui est venue. Et qui m'a dit, voilà, je devais avoir, elle est 30 ans maximum, qui faisait des études d'informatique. Et par contre, il ne m'a pas montré le décès, en fait, comment il est parti. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Un jeune homme qui travaille dans l'informatique. Toujours pas, on va laisser... Ah, c'était un ami à vous ? Peut-être, Stéphane, si c'est lui. Ah, ça résonne pas mal, ça. Il est parti comment, si c'est pas indiscret ? Il est mort en escalade. D'accord. Ok. Et il faisait des études... enfin, il travaillait dans... Informaticien, ouais. D'accord, ok. C'est lui. C'est lui. Allez. Vous avez des relations comment par rapport à lui ? Parce qu'il me dit... C'était meilleur ami, mon frère. J'allais dire, voilà, j'ai enfin retrouvé mon meilleur ami. Ouais, tu me l'as soufflé de la bouche, c'est pas grave. Donc, en fait, il a fait une chute, c'est ça ? En escalade. Ok. Vous revoyez ses parents ? Ou pas du tout ? Bon. La première pensée qu'il a, c'est pour sa maman. Je ne sais pas quel rapport ils avaient. Mais voilà. Embrasse ma mère, il me dit. J'étais un beau jeune homme. C'est marrant parce que ce qu'il me montre, en fait, c'est son parfum. Je ne sais pas s'il devait... prendre soin de lui, mais énormément. Et il m'envoie une odeur de parfum, mais de une belle odeur de parfum. Il devait avoir un parfum très particulier. Il faudra que tu demandes, parce que c'est ce qu'il m'envoie et c'est ce qu'il me donne.
Il me dit, tu vois, il fallait toujours que je sois bien habillé, c'est normal quand on a un commerce. C'est marrant parce qu'il me parle de Sophia Antipolis, c'est bizarre. Il faudra que tu cherches, ça te parle ou pas du tout? Tu chercheras, ça résonne un petit peu, t'as des doutes en fait, c'est ça? Ouais, mon frère, il a fait ses études là-bas. D'accord, ok. Donc, il a vraiment, en fait, cette pensée pour ton frère. Il me parle d'une certaine Lily. Tu chercheras, tu demanderas. Pardon? Je crois que c'est sa fille. C'est sa fille qui s'appelle Lily? Ok, très bien, je prends. Passez-lui le micro. Oui. Alors, je suis désolé, je broute un peu, c'est parce que j'ai du bruit en fait autour. Je veux pas. Stéphane, il me montre aussi qu'il devait avoir des cartes de route à l'ancienne. Il faudra que tu cherches. C'est possible ça? Ouais, il était scout. D'accord, ok. Magnifique. Ça, il faut les garder parce que c'est important pour lui, en fait. Il me dit, je sais pas pourquoi, il avait un différend avec son père. Parce qu'il me dit, on s'entendait peut-être pas très bien, il y avait peut-être des incohérences avec... Il me parle de papa, il me dit pas père, il me dit papa. Qu'il s'inquiète pas, je lui ai pardonné. De l'autre côté, on est obligé de devenir bon. De l'autre côté, on s'adoucit et on voit pas... la vie comme on la voit sur Terre. Il me dit, tu vois, c'est bizarre, il me fait comprendre, tu pensais pas que je sois là ce soir. Il me dit, mais il y a une cause à effet de pourquoi je suis là ce soir. Tu veux ouvrir ton commerce ou quelque chose comme ça? Non, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Eh bien, en fait, je vais lui dire, deux secondes. Quand tu as des doutes pour ton commerce, tu lui demandes. Je dis, voilà, Stéphane, est-ce que tu peux m'aider? Tu as une photo de lui? Tu dois avoir une photo de lui avec la montagne derrière ou quelque chose comme ça. Essaye de récupérer cette photo. C'est une photo où il doit peut-être avoir que lui et son frère et sa fille. Prends-la, mets-la dans ton affaire. Tu verras, ça roule. Ça roule. Vraiment. Il me dit, n'oublie pas, il faut que ça sente bon dans ton affaire. Il me parle aussi, t'as deux, trois papiers à signer, n'oublie pas de signer les papiers, là. T'as des choses à régler, n'oublie pas de les signer, parce que sinon, c'est pas bien, d'accord? Il me dit, je te laisse, très content que t'aies pris le message, il embrasse encore sa mère, je sais pas, vraiment, il a une affection particulière pour sa maman, j'aimerais qu'il me donne des numéros, ou des choses un peu... Ok. Est-ce que son accident s'est passé en août? Parce que j'ai le mois d'août, en fait, qui non, je crois. C'est ça, ok. C'est marrant parce qu'il devait aimer la vie aussi, ce Stéphane, il me dit. Et la seule chose qui va me manquer, en fait, de l'autre côté, c'est les sorties entre potes. Voilà. Il te remercie, il s'en va. Voilà. Allez. Qui, dans son enfance, a reçu un spirographe? Exactement. On doit être nombreux. Hein. Bon, ok. Bon, j'avais que ça et je pensais qu'il n'y en allait qu'un doigt qui allait se lever. Puis non, finalement, je vais aller. Ok. Avec le prénom peut-être Paul en... Avec le prénom Paul. Le spirographe est Paul. Non. Toujours pas. Enfin, plus, moins. Moi, j'avais un inspirant pas, hein, mais j'avais un beau frère qui s'appelait Paul. Merci. qui est parti? Ça fait longtemps. Eh ben oui. Eh ben voilà. Mais c'est qui t'avait offert ce spirographe? Parce qu'il y a une cause à effet, hein, quand même. D'accord, qui t'avait offert le spirographe? Oui. Bon, voilà. Merci. Il y a toujours, vous savez, il y a toujours une
une cause à effet des choses, c'est important. Bon, et ben Paul, tu vas prendre le message et ça fait plaisir de pouvoir. Paul, il me dit, tu vois, surprise. Encore, il me dit, tu vois, encore, on m'attendait pas. Vraiment. Je suis là. Paul, il me montre. Il a souffert d'être peut-être de manquer des choses parce que il me montre, il me dit, tu vois, maintenant je peux bien m'habiller, je peux vraiment avoir tout ce que je désire parce que l'esprit est là. Est-ce que ça peut te parler ou pas? Parce qu'il était malheureux plus jeune. Oui, il a dû manquer de d'objets. Ok. Beaucoup. Bon, c'est bien. Il me dit, tu vois, maintenant j'ai vraiment tout ce que je veux. Il me dit, pas tout ce que je désire, parce que le désir, c'est une vibration humaine. Il me dit, tu vois, je peux. Il a dû souffrir aussi de ne pas pouvoir partir en vacances. Il m'a dit, j'ai pris des grandes vacances maintenant, et je peux aller où j'ai envie. Il me montre qu'il a toujours voulu. C'est drôle parce qu'il me dit, tu vois, j'ai toujours voulu aller voir le désert du Sahara. Tu réfléchiras, tu demanderas. Mais c'est vrai, il n'avait jamais de vacances, il était légionnaire. D'accord. Il me dit, tu vois, là, j'ai pris les vacances. Je peux visiter le monde et la terre. Il me dit, je t'en veux pas parce que tu penses pas beaucoup à moi. Tu penses plutôt à ta sœur, mais c'est normal. Pareil, il t'envoie beaucoup d'amour. J'aimerais bien qu'il me donne un signe de reconnaissance plus marqué que le spirographe, quoique. Il me dit, tu vois, il faudra que tu te renseignes parce qu'il me dit, tu vois, à l'époque, je mangeais beaucoup de lentilles. Tu chercheras. Ça ne te parle pas, là, sur le moment, mais tu chercheras. Vous avez récupéré des objets à lui? Juste oui ou non? Oui. Bon, alors, il doit avoir dans ses objets, en fait, une boîte en fer militaire avec une médaille à l'intérieur. Ah oui, je vois ce que c'est. Voilà, merci. C'est ça ses objets. C'est ça son objet. Et tu peux le récupérer, ça? Non, c'est. Bon, tu feras au mieux. Ouais. Il me dit, pense à moi. Parce que. Bon, il me dit, voilà, ça serait bien que. Il me dit, ah, la famille. Pense à moi. Parce que je suis à côté de toi. Je suis avec ta sœur. On n'est pas très loin, on te protège. Il me fait comprendre, tu vois, prends conscience de où tu es. Ça va résonner, ça doit résonner. C'est pas si mal que ça, il me dit. C'est tout. Merci. Je vais pas t'inventer. Merci. Tout. Et c'est tout. Allez, je vais couper le lien avec Paul maintenant. Alors, j'ai. Quel est le. J'ai une maman aussi. Alors, ça va. Est-ce que parmi vous, il y a une maman avec qui vous aviez l'habitude d'aller en forêt ou aller promener au bord d'un lac? J'ai ça qui est venu. Non? Qui pense que sa maman l'ait abandonnée? Oui. Vous? Ma mère. D'accord. Vous alliez vous promener en forêt? Enfin, mais pas près d'un lac. Bon, on le prend quand même. Hein? D'accord. On le prend quand même. Le lac, à mon avis, peut-être. Vous étiez jeune, c'est ça? Quand j'allais en forêt avec elle? Oui. Oui. D'accord, ok. Alors peut-être que vous en souvenez plus, mais il devait y avoir un lac, ou elle devait parler d'un lac, ou... Bon, gardez-le, prenez-le. Parce que moi, ce que j'ai noté tout à l'heure, je vais vous le dire, elle me dit, ne pense pas que je t'ai abandonné, je suis plus près que ce que tu peux penser. Non, c'est pas ça. Elle a été abandonnée par ses parents. C'est ma mère a été abandonnée par ses parents. C'est pas moi. C'est ma mère. D'accord. Été... Oui. Prends la phrase comme elle est. D'accord. D'accord. Tu te promenais avec ta maman en forêt. Oui. D'accord. Il y a une histoire de lac, je suis persuadée. Mmh. Et je persiste.
ne pense pas que je t'ai abandonné. Attention, c'est pas elle qui... D'accord ? Mm-hmm. Peut-être que t'as dû avoir peut-être ce chose d'abandon quand t'étais jeune, quand elle est partie. Ne pense pas que je t'ai abandonné. Alors peut-être que même plus âgée, je pense que t'as dû peut-être avoir cette sensation d'abandon, un peu comme elle a vécu elle. C'est la phrase textuellement. Mmh. Je suis plus près de toi que ce que tu peux penser. Tu dois me sentir et tu dois avoir des signes régulièrement de moi. D'accord ? Oui. Elle doit venir dans les rêves. Mmh. Elle va venir dans les rêves, alors. je prends. Mmh. Elle voit que tu allumes des bougies. Oui. Y a ce chose de lac. Ça m'énerve. Pourquoi j'ai eu ce lac ? Bon. Comment s'appelait ta maman ? Julia. Julia. Eh, ça vibre très bien même. Allez. C'est un lac en Italie ? C'est un lac ? C'était mmh. pour elle ? Bah oui. Elle me montre un lac, elle me montre un lac. Alors, il n'y a pas de frontière de l'autre côté. Mais c'est bien que vous vous rappelez de peut-être... Non, ah oui, en fait, il y avait un lac. Ça me va très bien. Alors peut-être que toi, tu n'allais pas te promener avec elle au bord du lac, mais elle me parlait d'un lac, exactement. Allez. Elle se rappelle de toi. En fait, tu devais... elle te remercie... Je pense que tu t'es occupé d'elle quasiment jusqu'au bout, parce que c'est ce qu'elle me donne. Oui. Elle me dit, tu vois... je sais, on jouait au jeu de société, mais ma fille peut-être n'en avait pas forcément envie. Mais elle le faisait pour moi, comme j'ai pu bien l'élever à l'époque. Elle me montre des papillons. Quand tu dois avoir des papillons, tu dois penser à elle. Mm-hmm. Voilà, elle me montre ça. Là, elle me dit, c'est un peu cliché ça, hein, ça c'est toutes les croyances. Voilà. Et elle me montre un papillon. Attention, la couleur est importante. Elle me dit jaune. C'est important. Mm-hmm. Avec les deux petits points noirs sur ce papillon. Mm-hmm. Elle est partie de quoi ? Parce que moi, vous savez, les défunts, quand ils viennent me voir, je me rappelais plus qu'il y en avait autant. Les défunts, quand ils viennent me voir, en fait, je pense que la mort ne résume pas une vie. Donc je leur demande de m'envoyer plein d'autres choses plus jolies que comment ils sont partis. Elle est partie de quoi ? Elle est partie de maladie de cœur. D'accord. Ok. Elle me dit je suis avec ton frère. Il aurait pu s'appeler Jérôme ou quelque chose comme ça. Ou avec la lettre J. J'ai la lettre J qui se dessine en c'est plus. C'est Jérémy. Non. Non. Jean-Paul à peu près, c'est pas moi. Mais c'est pas grave. Il me dit tu salueras Jérôme, prends-le. C'est pas bien grave. Je suis avec ton frère. Je bug un peu parce que j'ai un défunt là qui veut s'imposer et ça me plaît pas. Il va patienter. Ok. Vraiment, elle te remercie pour tout ce que tu as fait. En fait, pour tout ce que tu comment dire pour ben. C'était là jusqu'au bout. Mm-hmm. Et elle me dit c'était la moindre des choses aujourd'hui que je vienne te voir et que je vienne te parler. Merci. Elle me dit continue à allumer les bougies. Mm-hmm. Elle me dit je sais que tu as mis une photo de moi sur le meuble. Oui. oui. elle est très belle. Oui. C'était une occasion particulière. Il y avait beaucoup de blanc sur la photo. Il y a beaucoup de blanc. Ben, je sais. Elle me la montre. C'est vraiment la photo qu'il faut choisir, elle me dit. Vraiment. Tu l'as bien choisie. Et elle était rigolote aussi parce qu'elle avait une petite voix et puis elle me fait « tout à l'heure, il y avait la reine des Charlottes. » Et puis elle me dit « moi, j'étais la reine des quiches. » C'est ça, elle faisait oui, les quiches. Les quiches. Ben oui. Oui, beaucoup. Il fait que des quiches, il y a des tartes aussi. Non, non, mais elle, c'était les quiches. Bravo. Au poireau. Bon, elle...
C'est qui tonton Louis non, c'est pas Louis. Il y a un tonton qui s'appelle tonton, elle. Tonton Louis, Luca. Joseph. Pardon Joseph. Non. Avec un L. Joseph ? J'avais un oncle, oui, Joseph. Bon, pareil, qui est parti ? Oui. Elle me dit, je suis avec tonton. Alors, prends-le. Ils me disent, on n'a jamais été aussi vivants depuis qu'on est de l'autre côté. On est juste à côté, on fait les 400 tous, c'est moi qui prépare la table, comme de l'époque quand j'étais vivante. Eh oui ? C'est bien elle. Bah, c'est bien elle, hein ? Oui. Bon. Non, mais sinon, je l'aurais détecté si c'était pas elle. Elle devait. Alors, je sais pas si elle a été. T'as connu ton papa ? Oui. D'accord. Parce qu'elle me dit je détestais le parfum d'eau de Cologne qui se mettait. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Prends-le. Elle avait du caractère, la mamie. Hein ? Oui, elle me dit, bon, voilà, maintenant que tout le monde me connaît comme la reine des quiches, alors je suis désolé, mais c'est comme ça, elle me dit, je peux repartir, j'ai transmis mon message. C'est marrant, parce que là, elle me parle à moi, elle me dit, tu vois, on a les mêmes énergies, t'es aussi rigolo que moi. Je prends, compliment, ça fait plaisir. Et c'est tout ce que je veux avoir. Et elle t'embrasse et elle t'aime fort. Mais maintenant, je peux le dire parce que j'ai eu plein de signes. Parce que sinon, je dis pas. Merci. Ben merci à elle d'être venue. Allez, on va continuer. Alors là, j'ai quelqu'un un peu plus compliqué, en fait, qui a essayé de s'imposer et qui me disait que voilà, il aurait pu mettre fin à ses jours volontairement. Parce qu'il m'a dit, il me coupe la parole en plus. Il me dit pardon. Oui. Alors, c'était quelqu'un donc qui devait aimer couper la parole, mais c'était quelqu'un qui était fragile psychologiquement, qui aurait pu. Alors moi, je vois. Alors un garçon qui aurait pu quelque chose sur la gorge, qui aurait pu soit se pendre, soit se trancher la gorge. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Moi oui. Ah. Désolée. Non. Quel âge il avait ? Il était assez jeune. Hein. C'était le copain de ma sœur. Il s'appelait Serge. Serge ? Quel âge il avait ? Dans les 40. Il s'est pendu, en fait. Il s'est pendu ? Ok. Et est-ce que c'est quelqu'un qui coupait la parole souvent ? Oui. Bon. Alors, j'ai. Alors, pour Serge, j'ai le chiffre 4 qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai noté. Tu le prendras. Serge, voilà, il me dit qu'il était. Alors, ça paraît très, très bateau, mais il me dit qu'il n'était pas bien où il était. Il était. C'est un homme qui aurait pu se faire embêter à son travail. Parce oui. Que c'est ça, en fait, qu'il m'a montré. Oui. Il m'a dit, le travail, c'était l'enfer. Oui. Le travail, c'est à cause de ça que j'ai mis fin à mes jours. Ça, plus une relation amoureuse peut-être compliquée. Il me dit, merci, au revoir, j'étais pas bien. Alors, il te redit que t'as beaucoup de monde autour de toi. Mais on l'a vu. Pareil, il me dit, reste comme tu es. Il faisait quoi ? Parce qu'il me montre des chapeaux, comme si il portait tout le temps des chapeaux, des bobs ou des choses comme ça. De temps en temps, ouais. Il mettait des chapeaux. T'as récupéré un de ces ouais. Chapeaux ? Bon, c'est important, c'est un objet, bon. Pareil, si tu peux récupérer un objet, ça lui aurait fait plaisir. Alors ça va être très court, parce que ça fait longtemps qu'il est parti ? Ouais, ça fait quelques années maintenant, ça fait bien... 4 ans ? Ouais. Ben voilà. À peu près. C'est le 4 de tout à l'heure. Ouais. Merci. Hein. Bon. Pareil, il t'embrasse. Il me dit, je dirais pas plus. Il me fait comprendre. Il me dit, bon,
Je ne parlerai pas plus parce que tu as déjà eu beaucoup de messages et qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Désolée. Non, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, il était... Tu vois, son côté un peu... ce côté un peu dur, en fait, ce n'était pas ça du tout. D'accord ? Il avait un grand cœur et même là, il me dit, voilà, je laisse la place, en fait, à d'autres personnes qui ont besoin. Et il s'en va. Bon. Alors là, je vais aller en roue libre parce que j'ai plus personne. Je pense que ça va être mon dernier contact parce que je commence à brouter un petit peu. Après, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, si vous voulez. On peut rester une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Vous me posez les questions que vous voulez. Si ça vous va, moi, ça me va. Alors, j'ai... C'est marrant. Qui, dans sa famille, aurait pu être secrétaire ? Une maman ? J'ai une maman qui vient... une secrétaire en fait, et avec la couleur vraiment rouge qui, alors c'est très cliché mais c'est comme ça, elle vient avec quelque chose de très rouge. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Alors avec peut-être le nom en correspondance, Carole ou Caroline? Toujours pas. Bon. Ma mère s'appelait Cloutine. Elle était secrétaire ? Non. Bon. Mais c'est dactylographe. Ah ben c'est... Ah ben... Ah ben... Ah. Je fais de la dactylographie jusqu'à mes 3-4 ans. C'est parfait. Eh ben c'est bien elle. Elle aimait la couleur rouge ? Oui. Bon. Oui, parce qu'elle se teignait les cheveux à la brosse en rouge. Merci. Eh ben tout est dit. Elle me dit, ah, je reconnais bien mon fils là. Elle était très fière de son travail parce qu'elle s'est présentée tout le temps en train de tac 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 tac. Mais à l'ancienne, hein, c'était vraiment les anciennes machines à écrire. Oui, c'est de 1970. L'année dernière. C'est ce qu'elle me dit. Elle était vraiment très très fière de son travail. Elle me dit, bon. Ok. Elle me dit, tu es devenu un beau jeune homme. Il me dit, t'es toujours un... C'est marrant parce qu'elle me parle du mot. Je reconnais bien là mon fils, il a toujours été un peu farfelu. Ah. Elle t'aime énormément. Elle me dit... Plein de bisous. Voilà. Plein de bisous. Elle me dit, pareil, tu vois, moi j'étais une maman moderne. J'adorais sortir. J'adorais... elle devait adorer quand, c'était un peu, alors je vais le dire, le bordel à la maison, quand il y avait ses copines qui venaient, parce qu'elle se sentait vivante, d'accord ? Elle me dit, je ne pouvais pas ne pas venir aujourd'hui, elle me fait comprendre. Elle me dit, elle me parle du mois de janvier, il y a des anniversaires, le mois de janvier, le 4 et le 5 janvier. 4 et 5 janvier ? Oui. C'est quoi ? C'est le décès de son père. D'accord. Donc elle est avec son père. Il est décédé le 5 janvier. Exactement. Elle me parlait de cette Moi, date. Moi, je l'ai su le 6. Ben le voilà, 6, c'est... mais le premier, je le savais déjà. Mais c'est pour ça qu'il y avait le 4 et le 5. Elle me dit, tu vois, tu ne m'attendais pas ce soir non plus. Non. Et elle me dit... Elle me fait comprendre aussi, mais... Tu voulais pas venir ce soir non plus. Tu voulais pas. Oui, j'ai hésité. Eh ben oui. Mais elle m'a dit j'avais tout prévu de l'autre côté. Ah d'accord. Et elle me dit, tu vois, on finit par le meilleur. On garde le meilleur pour la fin. C'est drôle parce qu'elle me montre aussi des disques vinyles. T'as dû récupérer des disques vinyles de ta maman. Elle devait aimer le disco, ta maman. Oui, elle était musicienne. Ouais. Elle était accordéoniste et chef d'orchestre. Putain, il fallait pas me le dire. Ah mince. C'est moi ça qui dois te le dire. Mais allez, c'est pas grave. Les signes de reconnaissance, je te les ai donnés. Ne t'inquiète pas. Tu dois avoir peut-être des disques vinyles à elle. Non. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Les disques vinyles appartiennent à son deuxième mari. Ah, mais il y en a. Mais ils n'appartiennent ni à un ni à l'autre. C'est des collections de vinyles qu'avait son mari. Bon, c'était important pour elle. Ils sont partis, hein, les disques. Hein, Oui. Mais c'était important pour elle. Et ce qui est de très drôle, c'est que
avant même que tu me dises qu'elle était accordéoniste, parce que je voyais un disque vinyle de Yvette Horner. Voilà, prends-le. Elle me dit, voilà. Reste comme ça, reste farfelu comme tu es. Bah bien sûr. Je t'aime et je t'aimerai pour l'éternité. Quand tu as des épreuves, elle me dit, pense à moi. Qu'elle n'oublie pas que je suis né de parents adarchiques. Ah, le retour. Le retour. Eh bien, ça, elle en est très fière. Voilà. Elle me dit... alors, c'est pour ça qu'elle me montrait l'épiphanie, aussi, avec la galette des rois. L'épiphanie... Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si t'es anarchique, la galette des rois... La galette des rois? Eh bien... Elle me dit, voilà... On termine bien cette conférence, elle me fait comprendre, elle me dit... ça ne pouvait pas être autrement. J'entends un morceau d'accordéon pour ta maman. Oui. Et son papa était aussi musicien. Et son grand-père. Alors, son papa, juste, elle m'a donné le jour de son décès. Bien déjà. Elle te remercie et elle s'en va comme elle est venue, en musique. Bon bah voilà, ouais. C'est royal. Et c'est tout ce que j'ai. C'est gentil, merci. Et je vous remercie bien. Ouais, vous pouvez. Merci. Est-ce que vous avez des questions à me poser? On a le temps. Allez.